Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je suis montée te voir parce que j'entends que papa est en train de se préparer. Donc, je me suis dit qu'on allait aller en bas pour l'attendre, pour pouvoir lui offrir les cadeaux de la fête des papas. D'accord? Donc, dans 2 minutes, tu me rejoins en bas et on attend qu'il descende, ok? Et après, on fera un petit room tour de ta chambre puisque ça y est, les cartons sont déballés. Ok? À tout de suite. Merci ma chérie. Ouh là là, il y a beaucoup de cadeaux. Tiens, je te pose le cadeau familial sur la table aussi. J'essaie de faire attention. Waouh. Ah, oh, c'est beau. Et du coup, ça parlait de il y a très longtemps, donc du coup, on a écrit notre prénom. D'accord, tu nous montres? Ouais. Waouh, super souvenir. C'est beau, ça, ma chérie. Très très joli. C'est beau, ça, mon cœur. Mais je crois bien qu'il y a un autre cadeau encore. Oui, c'est celui-là. Il est fragile, très fragile. Il est fragile. On voit qu'il fait très attention, tu as vu? Pour poser les crayons. C'est joli. Il y a un petit cœur. Oui. Et une petite fleur. Oui. C'est trop chou. Ah oui, pour faire tenir le stylo. D'accord, d'accord. Et tu l'as fait toute seule? Oui. Bravo. C'est beau, c'est mon cœur. Merci, ma chérie. Et tous les autres cadeaux, ils sont de la part à tous. Ouais. Voilà. Merci. De rien. Qu'est-ce que c'est? Ah bah on te dit pas. Wow. Mais je crois que tu collectionnes un peu. Je collectionne des t-shirts. Non, je parlais du cadeau d'Itsu. Eh ben on s'est dit que pour l'été, ce serait très coloré. C'est cool, hein? Ah ouais. T'as vu ma chérie? Voilà. C'est super beau. Pour aller à la mer. Ouais. Pour aller à la mer? Pour aller à la mer. Ça aussi, c'est pour l'été, hein? Oui. Trop belle. Elles sont belles? Elles sont trop cool. J'adore la couleur. Je crois que ça étonnera personne d'ailleurs que j'aime cette couleur-là. Cool. Mais tu vois, regarde, déjà ça va avec comment tu es habillée. Ah oui. Voilà. Super. Pareil. Merci beaucoup. C'est pour aller à la mer. Merci mon chéri. Merci petit mec. Elles sont trop belles, j'adore. Merci mon chéri. Merci madame. De rien. Et ça, c'est le cadeau que t'attends depuis des lustres. Je s'appelle Boozer. Bon alors, comme il y a quelques temps, monsieur s'est vraiment mis au réseau. Je veux pas savoir ce que c'est. Qu'il passe beaucoup de temps sur son téléphone devant la télé. Vous avez eu pitié de moi. Hein. On a eu pitié de tes yeux. C'était trop petit. Hein. L'écran du téléphone, c'est bien trop petit. Ouh. Et étant donné que les enfants t'ont cassé ton premier iPad, il y a belle lurette. C'était cool. Ah oui, c'est Jen qui l'a fait tomber. Mais enfin, tu l'avais déjà fait tomber, t'avais juste eu de la chance qu'il se casse pas avec toi. Génial. Un gros câlin familial. Eh ouais. Ouh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh non, c'est bien aussi. Hey. Avec la caméra. Bon, bah, j'espère que ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah, j'ai été gâtée déjà. Ouais. Vous êtes un peu les fous. Moi, c'est parce qu'on t'aime un peu comme un fou. Ou comme des fous. Bon, allez, je te laisse tranquille profiter de tes petits cadeaux. Nous, on va faire le room tour de Jen maintenant. Wow. Allez, c'est parti. On peut entrer? Oui. Ok. Coucou. Coucou. Alors, cette chambre, ça donne quoi? Alors, déjà, grand espace. Grand espace, surtout du côté de ce mur-là. On a laissé de la place pour mettre un petit bureau pour faire les devoirs. Parce que là, tu les fais en bas, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, avant que j'oublie, là, il y a le miroir. Voilà, la petite armoire pour mettre des bijoux éventuellement. Et comme ça, tu peux te regarder dans la glace quand tu t'habilles. Oui. C'est plutôt chouette. Ouais. Même s'il y a l'autre grand miroir juste derrière la porte. On commence par le petit meuble là? Oui. Oh, il y a la licorne à gauche.
Alors ça, c'est un petit peu mon coin girly. Ok, d'accord. Le coin girly de mademoiselle. Avec le miroir, le maquillage. Trousse de maquillage. Trousse toilette. Ça, j'adore. C'est quoi? Avec écrit Aloha. Ah oui. J'ai mis une photo de toi et moi. Oh, c'est une photo de nous deux. Ça, c'est moi quand j'étais petite. Oui, toujours souriante. Ça, c'est ma carte Soyuna, mon petit Pikachu avec un petit Attends, regarde, je vais leur montrer la photo de toi petite. Parce que t'étais vraiment rigolote. Elle était toujours en train d'éclater de rire. Ça n'a pas changé. Ensuite, je vois plein de petits bijoux. Oui, des petits bijoux. Sur le porte-bijoux. Ouais. Et des bracelets. Oh, ils sont jolis, ces bracelets. Oui. Le Pikachu avec des oreilles de lapin. Oui, alors, des oreilles de lapin et un bonnet. Oui, c'est original. Okay. Le sac de Harley Quinn. Ouais. La lampe sur laquelle il faudra penser à faire un peu la poussière, mademoiselle. D'accord, d'accord. Ensuite, bah, l'iPad cassé dont on vous parlait il y a quelques minutes. Et du coup, l'iPad qu'on pique à maman, puisque ça, c'est le mini iPad de maman, n'est-ce pas? Non. Qu'on me pique quand le iPad cassé n'a plus de batterie. Bon, cet iPad-là, je crois que c'est la première version. On l'a depuis très, 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 très longtemps. Donc là, je vois des filles. Oui, donc j'ai Hermione, Granger, d'Harry Potter, ouais. Harley Quinn, forcément. Bébé Groot, elle veut pas tenir. Il est trop mignon, bébé Groot. Voilà, tes pop, elles veulent pas rester debout, les coquines. Ensuite, la télé, alors qui est un petit peu basse, mais en fait, on a pour but d'essayer de l'accrocher au mur. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on fera sans doute à la rentrée. Hein, on n'est pas très très pressé. Du coup, ce meuble, on l'a coincé là pour le moment pour servir de support à la télé. Mais je pense qu'on changera la disposition quand la télé sera accrochée au mur. Pour l'instant, ça reste comme ça. On ne vous refait pas l'aperçu des tiroirs parce que dans les tiroirs, c'est sensiblement le même chantier, n'est-ce pas ? Que dans l'ancienne chambre. En fait, on a transporté les tiroirs comme ça, on les a remis tels quels. Donc, ça n'a pas changé. Là-bas, au fond, je vois que tu as mis un panier. Avec des affaires. Un sac, verre rodé. Ok. Et mes petits camions. Scooby-Doo, Nem-Nems. Oui. Et Shopkins. Et oui. Après, ici, on a mon école Monster High que j'utilise comme maison. Donc, que je voulais y jouer. Ah, tu allais y jouer en fait quand je t'ai dit viens, on va. Ok, ok, ok. Voilà. Donc après, ça c'est une maison Playmobil. Après, tout ça c'est. Bah après, c'est ce qu'on a déjà montré dans l'ancien room tour. Hein. Ce sont ces caisses avec tous ces jouets, ces poupées, ces choses qu'elle avait déjà dans l'ancienne chambre. Et au niveau du lit, pareil, hein, rien n'a changé. C'est toujours un amoncellement de coussins parce qu'elle est comme maman, elle adore les coussins, cette puce. J'en ai des millions. Et attends, on va juste faire un petit tour dans. Le placard, alors de ce côté-là, on va pas vous montrer grand-chose en fait, hein, parce que c'est vraiment... Attends, ouvre pas des deux côtés en même temps, sinon on va pas s'en sortir. Là, en fait, on a les maillots de bain, on a quelques tenues là, on a des t-shirts, des shorts, rien d'extraordinaire. Et de l'autre côté, on a la penderie. Donc il y a pas mal de choses dessus, elle va assez loin, donc c'est assez pratique. Les boîtes de jeux là-haut. Et... En dessous, les chaussures et également pas mal de jeux là, la valise et son bloc avec des jeux aussi toujours. Ouais. Donc voilà tout pour le room tour de la nouvelle chambre de la puce. Oui, ton placard est un petit peu dur, il faudra que papa il regarde ça. Et j'espère que ce room tour vous aura plu. On essaiera de vous en refaire un quand il y aura le bureau, qu'on aura accroché la télé au mur, que ce sera un petit peu plus aménagé. Ouais. Mais on s'est dit qu'on allait déjà vous montrer dans l'immédiat comment est-ce qu'on avait changé un petit peu la disposition vu que la pièce n'a rien à voir avec celle d'avant. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et du coup, bah là, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure.
just right. You make me wanna hug ya, kiss ya. All through the night, I wanna be the one to trust, make your heart beat fresh. Comme vous l'aurez vu, on est allé voir Wonder Woman. Ça vous a plu, les enfants? Ouais, c'était trop bien. C'était bien, hein? Bon, par contre, attention, on raconte pas l'histoire pour ceux qui l'ont pas encore vue. T'as trouvé ça comment, le chéri? C'était chouette. C'était chouette, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle est balèze, Wonder Woman! Ah oui! Vous avez vu ça? Impressionnante, hein? Quand je suis un peu grande, je suis Wonder Woman! On en dira pas plus. En tout cas, ouais, on l'a trouvé vraiment chouette, le film. Donc dites-nous, pardon, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et bah, du coup, comme il est déjà pas mal tard, entre guillemets, on va pas tarder à arrêter ce vlog. Donc, en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et à très bientôt. Ciao! Salut, salut!